Présenté ce soir, passant directeur communication, Eve Roland Bradley, journaliste, éditorialiste. Merci d'être présent. Les Miss sont là, vas-y. Les Miss sont là. On applaudit les Miss. Elles sont là. Elles sont plus que jamais belles. Nous allons mettre la musique. Encouragez-les. Oh, les Miss. Il a pointé ni mien,
Chanson camerounaise, j'ai nommé Annie Anzouer, s'il vous plaît. Quelques instants seulement. Le prince Christian de Châteaurouge, le promoteur même de cet événement, est-ce qu'il peut nous rejoindre sur scène? Nous invitons Christian sur scène. Le prince Christian de Châteaurouge, sur vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous, chers invités. Vraiment, je vous remercie de tout cœur d'être venus aussi nombreux soutenir la culture camerounaise, la musique camerounaise, la beauté camerounaise. Aujourd'hui, avec mes sœurs, mes petites sœurs, on a vraiment fait l'effort de vous donner un beau spectacle et en espérant que ça va continuer comme ça. Et vivement 2014, la Miss Camer 2014. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je vous aime de tout cœur. Merci, merci. Merci, c'était le prince Christian de Châteaurouge. Continuez à m'encourager et je vous donnerai le meilleur de moi-même. Merci. Demandez à Marie Eba, à Marthe Evans également de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. À tous nos comités d'organisation, tous ceux qui ont participé pour la réussite de cet événement. Nico de Paris, Papy de Paris, et le grand manager, le manager 5 étoiles, ses 25 ans de carrière. Guy Mettant de nous rejoindre sur scène également et tout le collectif Big Five. Sans oublier le couturier, bien évidemment.
Exactement. Madou Sangin. Le styliste Madou Sangin. Nous l'invitons sur scène. Madou Sangin. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. C'est le couturier des stars de Paris. Commencé par la deuxième dauphine. Sera dit par Maman Honorine. Maman Honorine va nous donner le nom de la deuxième dauphine. J'ai l'honneur de donner le nom de la deuxième dauphine qui est Mélodie. Mélodie, deuxième dauphine, on acclame. Élise va nous apprendre le nom de la première dauphine. Élise, nous t'écoutons. Et le nom de la première dauphine, c'est Isabelle. La première dauphine, on applaudit. Oh, l'écharpe de l'honneur, l'écharpe du Cameroun. Isabelle, première dauphine. La Miss Camer 2013. Les éditions Sopiprod pour immortaliser cet événement. Mesdames, Messieurs, l'un des membres du jury, Abil, le promoteur culturel, propriétaire du African Music Hall, va nous dire qui est la Miss Camer 2013. C'est bon, hein? Oui. La Miss Camer 2013 est Lucrèce. On applaudit la Miss Camer 2013. Oh là là, c'est Lucrèce. On peut se voir son écharpe. On applaudit la Miss Camer 2013, Lucrèce. Elle est émue, elle est contente. Ce sont les larmes de joie, bien sûr. Elle reçoit sa couronne. On applaudit pendant qu'elle reçoit sa couronne. Applaudissez. Elle mérite. Oh là là, quelle belle nouvelle. Vos impressions à chaud après, n'est-ce pas, cette élection assez ardue? Alors, j'en reviens vraiment pas. Je suis vraiment sur le choc. En même temps, je me sens tellement privilégiée. En même temps, par rapport à toutes les autres qui sont tellement belles, j'ai l'impression d'avoir volé un peu leur place. Mais en tout cas, je remercie les membres du jury. Je remercie les gens qui ont voté pour moi. Je remercie le Cameroun. Et j'espère pouvoir vraiment représenter la diaspora camerounaise qui se trouve en France par ce titre de Miss France Cameroun. Franchement, ça vraiment été une expérience extraordinaire. Je ne m'attendais pas à rencontrer vraiment des gens avec qui j'allais m'attacher au final. C'était une magnifique aventure. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je n'en tiens que de bons souvenirs. Une très belle expérience. Alors, vos impressions à chaud? Sa fille, elle est très belle. Mes impressions à chaud, je ne sais pas quoi dire. Je remercie Dieu parce que c'est pas. Je sais que j'ai fait un peu d'effort, mais là, le plus important, c'est Dieu. Parce que la beauté de Lucrèce, l'intelligence de Lucrèce, les valeurs de Lucrèce, c'est Dieu qui les a inculquées. Je n'ai fait que mettre ma patte, enfin, mettre mes efforts pour essayer de donner de la valeur à ce que Dieu a inculqué à Lucrèce. Merci maman. Voilà. L'élection Miss Cameroun, pour moi, c'est une fierté déjà d'être Camerounais. Et je pense que pour une première, ça s'est pas mal passé. Et nous ne pouvons qu'encourager des projets de ce genre. Je félicite surtout le courage de mon fils Christian qui a organisé cette soirée. Le public a répondu présent. Les artistes sont passés en temps et en heure. J'ai apprécié. Et je l'encourage surtout pour l'année prochaine. Alors, on est un promoteur heureux aujourd'hui de cet événement quand même. Ah, rien à dire. Rien à dire. On voit ces milliers de personnes qui sont déplacées juste pour cette soirée. Pour venir soutenir un promoteur aussi jeune que moi. Vraiment, je peux te dire merci. Merci aux artistes qui ont cru en moi. Merci aux musiciens qui ont cru en moi. Merci à Marie-Eba, Marthe Evans, à
avec qui on a passé des bons moments. Merci aussi aux filles. On dit bonsoir aux chéris de Bruxelles. Qui ont laissé eux-mêmes leur boulot pour faire des préparations avec nous. Merci aux grands managers qui me tendent. Qui m'a vraiment fait confiance. Ne manquez pas le rendez-vous. Vraiment merci. Merci à tout le peuple camerounais, merci de me soutenir. Je fais vraiment l'effort de vous donner ce que je peux. Merci bien à vous, merci. Merci, c'est mon squad. Si je suis à cette heure-ci avec le verre que j'ai sous mon bras, ça veut dire que c'est une très belle soirée. Par ailleurs, je félicite mon jeune frère pour tout ce qu'il a fait. En même temps, la soirée ne peut être réussie parce qu'il a les moyens. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que c'est une très très belle soirée. Nous étions fiers, mon frère, Gaston, toute l'équipe. Voilà. Déjà, je tiens à féliciter le prince Christian, parce que c'est pas toujours évident d'organiser un live. Il a suivi son programme de main de maître. Et bravo à lui. C'était une très belle soirée. Alors là, l'élection de Miss et de Princes. Franchement, au top. Je ne m'attendais pas, mais ce fut une grande soirée. Franchement, rien à dire. La représentante diplomatique, monsieur Sangalais, comment avez-vous vécu cette soirée? Oui, je vous remercie de me passer la parole. Comme d'habitude, une soirée pleine qui traduit vraiment la qualité de la culture camerounaise, qui est diversifiée, qui est riche et qui mérite à être connue et à être divulguée au niveau mondial. Donc des soirées comme ça qui gagneraient à être répétées, à être multipliées, à l'exemple pour qu'on connaisse véritablement la profondeur de la culture camerounaise et la valeur de ses fils et de ses filles qui sont à travers le monde. Non, l'ambiance a été vraiment bon enfant. Et j'espère que l'année prochaine, ça serait aussi pareil. Je dirais vraiment, je suis émerveillé. Et chaque fois que il y a des gens positifs qui posent des actes positifs, il faut les encourager. Je fais de mon mieux pour encourager la culture camerounaise dans l'espace parisien. Et avec des gars comme des jeunes talents comme toi, on ne peut qu'être fier de la culture camerounaise. Et Sophie Price ne lâche pas le morceau. Je sais qu'il y a des embûches, c'est très difficile, mon petit. Mais tiens bon. Et j'espère que, avec ce que tu fais depuis un moment à Paris, on ne peut qu'être fier de la culture et des gens comme toi qui encouragent la culture camerounaise d'aller de l'avant. Je suis très fier de toi, monsieur Sopi. Franchement, j'ai eu l'habitude de venir dans cette salle, ici à Nanterre. J'ai vécu des événements. Je me souviens que la dernière fois que j'y étais, c'était la nuit en blanc. Et j'ai été interviewé, je crois, par un de vos collègues. Et j'avais apprécié vraiment l'événement. Mais aujourd'hui, particulièrement, je tire mon chapeau à ce qu'il a fait Christian. Et si j'avais les décorations à la maison, je les aurais mis parce qu'il le mérite. L'événement qu'il a réussi à nous produire aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'était une belle soirée, je suis tellement content. L'organisation était parfaite. Tous ceux qui ont entouré l'événement, ça a été un parfait succès. Je suis très content. Merci. Mais les impressions sont très très bonnes, en fait. Tout le monde connaît les pratiques de live. Le seul mauvais moment dans le live, c'est que le public ne s'amuse pas. Mais bon, comme on dit, il n'est jamais trop tard. À 5 ans, on peut toujours s'amuser. Mais je sais qu'à la fin, la caisse, ça va faire très très mal. Donc voilà, je sais ce que c'est. J'ai vécu ça. Mais c'est une belle soirée. Christian, je t'encourage. Sincèrement, tu as fait un concept dans le concept. On t'a mis Miss Cameroun France dans ton concept du live. Ça c'est osé. Mais les gens n'ont pas compris. Mais t'as osé un truc que personne n'a encore fait à Paris. Moi je te dis bravo. Bah, j'ai aimé la soirée. Hein, voilà, c'était au début un peu trop calme. Et puis bon bah voilà, le résultat c'est
le travail a été payé, donc voilà, c'est super. Pas de regrets en tout cas. Les femmes dynamiques du Nord, vous êtes venues massivement soutenir, n'est-ce pas, cette action d'aujourd'hui. Quelle impression et une impression pour toi? Alors, je dirais d'abord merci à ce micro que vous êtes et merci pour tout ce que vous faites pour la diaspora camerounaise. Chose courante, je remercie toute la communauté camerounaise et je les conduis à cette soirée du Noun. C'est une nuit du Noun qui regroupe tous les Camerounais sans exception, sans distinction de race, quoi que ce soit. Vous êtes conviés à cette terrible soirée. On aimerait que vous soyez le nôtre afin que vous puissiez découvrir la communauté Bamoun, les cultures Bamoun et tout ce que ça comporte. À la suite, il y aura le couscous Djamche que beaucoup ne connaissent pas et que vraiment ça vous fera un très grand plaisir de le découvrir. Et je passe là pour dire merci à Christian pour cette très grande soirée qu'il a organisée ce soir. Je ne suis jamais resté si tard, mais pour ce soir exceptionnellement, je reste parce que je suis vraiment, vraiment très contente, très ravie pour la soirée. Merci. Donc, je suis Séraphine Bellem de la BMC, Bellem Marketing Communication. Je suis très honorée d'être là ce soir. Et ça a été une très bonne initiative pour Christian qui a eu l'initiative de faire Miss Cameroun France. Et je pense que ça manquait un petit peu dans la communauté camerounaise de Paris. Et je suis très, très contente d'être là. Et des initiatives comme celle-là, il faudrait encourager parce qu'il n'y en a pas tous les jours. Et soutenons ceux qui prennent comme initiative ce genre de projet et encourageons-le pour que ce soit encore meilleur. Merci Monsieur Sopi pour le travail que vous faites et votre assistant également. Et merci encore et continuez sur cette voie, vous faites de très bonnes choses. Et merci à la communauté camerounaise d'avoir répondu présent ce soir et aussi nombreux. Ouais, la soirée elle était très très belle, surtout quand elle est supervisée par Hilaire Sopi, bien sûr. Et c'était la soirée des princes et des princesses. Et la première des Miss Cameroun, c'est bien ça? Ok, elle était très belle la soirée. Voilà, vraiment très belle, je me souviens de la musique. Magnifique. Merci Hilaire. Merci Audrey. Ouais. Toi-même déjà, tu incarnes une Miss. Comment as-tu trouvé cet événement? Déjà, je préfère, vous allez m'excuser, je préfère faire quelques remarques par rapport à la soirée. Dans l'ensemble, elle était belle, hein, mais il y a eu trop de retard. Et moi, personnellement, quand je sors de chez moi, c'est pour m'amuser, danser. J'ignorais en fait, je savais qu'il y avait un peu du live, un peu de playback, mais je ne savais pas que j'allais pas vraiment, vraiment danser. M'amuser, ouais. Bon, mais qu'à cela ne tient, c'était une belle... On peut tout faire, hein? Voilà. Avec le temps. Voilà. Donc, mais qu'à cela ne tient, c'était une très, très bonne soirée. Et puis, j'ai apprécié les jeunes sœurs qui sont passées, très jolies, qui ont représenté valablement notre pays. Et voilà. Oh, c'est pas une mauvaise idée. Ça a été... C'est une petite recherche que je souhaiterais par la suite une continuité parce que ça me prouve qu'on fait les choses, on réfléchit. On essaie d'avancer. Voilà, on avance. Voilà, bon, il n'y a pas que la bouffe, la boire, les alcools parce que bon, on nous qualifie de d'ivrogne parfois, mais il n'y a pas que ça et qu'on peut faire. Des choses, poser des actes. Chaque fois, je commence toujours par dire que la culture au Cameroun est bafouée. Et quand même, à chaque fois, je ne peux ne pas assister à mes petits frères et les encourager. Et encourager qui honorent la culture camerounaise. Bravo à tous ces artistes qui sont passés ici ce soir. Je commencerai par Charlie Jones, qui fait un renouveau du Beltikin. Fingon Tralala, la déesse Lady Ponce, la mama, si on peut l'appeler ainsi, Annie Anzoua. Quoique, je mets quand même un bémol sur l'organisation, pas seulement de mon petit Christian, mais de tous les autres. Mais je ne saurais terminer pour lancer un appel, car on a un forum sur Facebook.
le plus grand forum de l'État du Cameroun qui s'appelle LCCL. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, il y a Sopi, Sopi Prod. Vous êtes membre. On a un très grand gala, l'anniversaire, le deuxième anniversaire de ce forum, le 28 septembre. Je demande à tout le monde de contacter Edmond Data, Inbox, pour avoir tous les éléments. On peut avoir la langue de bois, il faut dire les choses comme elles sont. Moi j'ai une chose qui me choque quelquefois dans nos soirées, c'est que déjà on arrive très tard aux soirées, et ça fait que ça écourte un peu le temps qu'on peut avoir à partager les uns avec les autres. Bon, en dehors de ça, c'est bien de promouvoir la culture. On a vu quand même, on a eu un beau plateau. Un beau plateau. C'est vrai que bon, les uns et les autres se plaignaient de ce que... C'est vrai que quand on vient dans ces soirées, c'est aussi pour pouvoir danser. Mais bon, ça a eu un petit peu l'aspect d'un concert plutôt qu'une soirée dansante. Je ne sais pas trop quel était le but. Je ne sais pas si c'était un concert ou une soirée dansante. Mais bon, je pense que les uns et les autres se sont plaints un petit peu de ne pas avoir eu le temps de danser un petit peu. Il est Sopi. Amine, la voix de la diaspora. Thank you. I just want to say what I was say. I mean, in 1 week's time, I said that last time I'm going to be there, so everyone can see what happened today. It was a life, and when you say life, it was Lady Pons and Annie was there. Sorry. So everyone can see what happened today. I'm just proud to be myself, to say thank you to my brother, Prince Christian of Chateau Rouge. It was amazing. Please, everyone have to watch a video of this show. De leur association, de leur soirée, de venir soutenir le 2 novembre, s'il vous plaît, les X-Bahia et les Métropolitaines, s'il vous plaît. Oui, monsieur, il est sorti. Christian, le prince du Château Rouge, a mis les grands plats dans les luxueux plateaux. Il a fait avec du beau monde. Il a été très bien accompagné par vous, la voix de la diaspora. Il a été accompagné par plusieurs personnes. Il a été bien managé et nous ne pouvions que honorer à sa soirée. Nous, métropolitains de Paris, nous lui avons rendu tout ce qu'il a donné parce que Christian de Château Rouge, il a toujours été là et il a fait une très belle soirée. Son plateau, il a respecté. Ses horaires, son timing était bien. La soirée était magnifique. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il aille de l'avant, qu'il ne baisse pas les bras. Miss Kamer, que ça continue, longévité à son initiative. La soirée était belle. Nous avons savouré. Et les métropolitaines sont contentes de ce que Christian fait. Et je vais dire que l'humilité paye. Parce que ce mec, ce que je retiens à lui, c'est son humilité. Et les gens ont répondu présents par rapport à ça. Et je peux dire que c'est la seule soirée où les métropolitaines n'ont pas bu autre chose que le veuve Clicquot et le mouette. Donc, l'année prochaine, nous serons là. Et voilà quoi. Un événement comme la nuit des princes et des princesses. Je suis arrivé. J'ai trouvé que la soirée était blindée, était belle. On a eu des artistes, notamment Lady Pons, Fingon Tralala, Annie Anzouin et tout. J'ai aimé. Moi, j'ai un simple constat d'espoir. Que la deuxième édition de la nuit des princes et princesses par Christian, Guy Christian, qui est un frangin, qui aborde l'événementiel avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect, je dirais chapeau. Il a voulu ajouter à la deuxième édition une petite touche de chic et de glamour, la première sur la place parisienne, qui est l'élection des Miss Kamer France. C'est vrai que ça a été un challenge de plus. Et ce soir, tout le monde a vu la grande assemblée.
Nous avons eu la présence de grands noms, ce qui ne s'est jamais passé. Monsieur Aladji Touré s'est déplacé pour venir à une soirée dansante. Ça, c'était jamais vu. Alors Sidonie, tu es parti de la Belgique pour venir vivre cet événement à Paris. Quelle impression? Oui, je trouve l'événement tellement bel et grandiose surtout. Et aussi, j'apprécie l'initiative d'organiser les spectacles en live. Aussi avec les grands artistes tels que Lady Ponce, Annie Anzoué, Fingon Tralala, Charlie Jones. C'est une très très belle initiative et que j'encourage personnellement. Je tire un grand chapeau à Christian et à toute son équipe technique. Voilà, et je voulais profiter de l'occasion pour appeler toute la population de Paris à ce grand événement qui aura lieu à Bruxelles le 16 novembre. C'est les 30 ans de carrière de Prince Dédé Yango. Donc je compte sur le public parisien, sur le public français et sur le monde en général. Car Prince Yango, c'est un artiste de grande renommée. Nous lui devons ce festin pour lui dire merci de nous avoir aidé à passer des bons moments depuis 30 ans. Chérie, tu es venu depuis la Belgique pour vivre un tel événement. Quelle impression? Je dirais, première impression, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Je trouve que la soirée est très belle. La déco de la salle, impeccable. Je félicite Nancy Déco parce que je fais aussi la décoration. Donc je trouve que c'est très beau. Quant à la soirée en elle-même, je trouve qu'elle est belle. Je dis merci à Christian, l'organisateur, parce que c'est pas facile d'organiser un tel événement. C'est une femme qui incarne la culture camerounaise, une artiste déjà de talent que j'adore énormément. Donc pour moi, le fait que Lady Ponce était là, la soirée ne pouvait être que belle. Merci. Merci. D'un événement de ce genre, moi je dis, d'un coup de dessin, c'est un coup de maître. Parce que je pense que Prince Christian du Château Rouge, il ne s'attendait pas à ça, mais mon grand, je te dis, chapeau, quelle que soit l'issue de l'événement, ça a été que du bonheur. Cher monsieur Sopi, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai un verre de champagne et j'ai toute une foule derrière moi qui acclame sur le podium. Cher Sophie, on peut retenir encore que, comme le 31 décembre, il y a deux ans, cette soirée a été préparée par les professionnels, comme Sophie Prot, qui m'étend, Papy de Paris, Christian de Château Rouge, Nico et bien d'autres. Sophie Prot, le showbiz aujourd'hui à Paris prend une autre ampleur. Et je suis très fier de voir un public qui supporte du live et qui aime tant du live. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite massivement à la prochaine édition en 2014. La date encore, ça reste à venir. Soyez nombreux, participez et vous n'allez pas regretter. Elle est très belle. La soirée est très belle. Les mots me manquent. Les mots me manquent vraiment. Christian, c'est un jeune garçon qu'il faut encourager. Il est magnifique. Il fait du bon travail. Il faut que l'encourager. Je suis là ce soir pour l'encourager. Cette soirée, elle était magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je suis venu de loin et franchement, un big up à toute la famille qui a organisé cette soirée. Alors, vous êtes venu du Cameroun pour vivre un tel événement à Paris. Quelle impression comme ça, cela vous fait? Je suis très content de voir que, étant à Paris, je me crois au Cameroun. Je suis entouré de mes frères et sœurs, vraiment. On ne dirait même pas qu'on est en France. On se croit au Cameroun. Alors, maman, comment as-tu vécu cette soirée?
très très bien, très bien. C'est une soirée vraiment merveilleuse pour moi. Je suis d'abord très contente parce que le promoteur, c'est mon fils natal. Je n'ai pas donné à tout le monde. Vraiment, je suis maman heureuse par rapport à mon fils qui m'a mise au marché, comme on dit, pour que le monde me voie. Alors par rapport à ça, je ne peux que dire Dieu merci. Parce que vraiment, c'est un choix de Dieu. C'est vraiment un choix de Dieu. Merci, maman. Ouais, monsieur Lesopi, je suis dans un état très avancé. J'ai très très bu Lesopi, je ne peux pas répondre à vos questions. Mais je vous remercie. Merci. Vraiment, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Merci, monsieur Sopi. Ben, monsieur Lesopi, vous savez, dans les festivités à Paris, on les marque toujours par des grands événements. Et ceci en est un. Ces grands événements se marquent par tous ces... musique, tous ces artistes tels que Annie Anzoer, tels que Lady Ponce. Voilà, on a un événement en live. C'est qui est un plus. L'événement est merveilleux parce que déjà il faut se dire que la programmation a commencé un peu tôt, contrairement aux soirées camerounaises où généralement on arrive au petit matin et les artistes viennent faire des prestations péremptoires, dérisoires. Là quand même on a eu Lady Ponce qui a chanté presque la quasi-totalité de son répertoire. Absolument. On a là Annie Anzoer qui fait une prestation, on ne peut plus hors norme. Et surtout, elle est comme Grace Deka, c'est-à-dire c'est le genre de femme qui, plus elle vieillit, plus elle se bonifie, plus elle s'embellit. Donc, je suis très heureux également. On a rincé les yeux avec de très belles Camerounaises qui étaient dans une authenticité stylistique. Dans la soirée agréable, je n'ai pas vu de bagarre. J'ai vu une grande sécurité. J'ai vu une belle décoration. J'ai vu une sonorisation qui s'est améliorée avec le temps. Et puis, j'ai vu une belle couverture médiatique et surtout au niveau de l'image. Merci. Que ce soit au niveau des murs, quand on ne peut pas voir l'artiste directement sur le podium parce qu'il y avait de la foule, mais on avait la possibilité de pouvoir voir toute sa gestuelle, toute la synchronisation et toute la chorégraphie juste à côté. Donc pour moi, c'est une soirée qui mérite quand même 16 sur 20. Merci. Merci Rémi. Alors Blaise, comment as-tu trouvé cette soirée dans son ensemble, hein? Alors bonsoir d'abord Sopi Prod, bonsoir cher ami. Merci pour cette occasion qui m'est donnée d'exprimer tout le respect que j'ai pour la culture en général et pour les promoteurs de soirées en particulier. Je suis très heureux ce soir de participer à un tel événement, qui plus est sous l'égide de la femme, en particulier la mienne, qui était l'artiste de la soirée principale. Elle devait apporter à son public, depuis quelques années, qu'il est un peu déçu par rapport à ses... aux difficultés qu'il y a eu à faire des soirées aussi remplies par son talent, par son style, par sa musique. Elles ont toujours été écourtées pour des raisons diverses. Et elle se devait aujourd'hui de rattraper ce que le public attendait d'elle, qu'elle s'exprime entièrement. J'ai donc participé à cet événement et je pense qu'elle a honoré. J'ai vu une salle pleine, heureuse, et je ne peux être que très heureux également. Je la félicite énormément. Au-delà de l'épouse magnifique qu'elle est, c'est une artiste accomplie, et je suis le premier fan.